la compoche, toi, hein. Tout semble bien tranquille à Port-la-Forêt. Pourtant, à J-19 du départ de la solitaire du Figaro, les skippers sont sur le pied de guerre. Au pôle d'entraînement, on retrouve Michel Desjoyeaux, Armel Lecléache, Gilda Morvan, Thierry Chabani, Fabien Delahaye, bref, que du beau monde sur le plateau de cette 44e solitaire. Et parmi les 40 marins engagés, il y a le Brestois Paul Meillat qui vient tout juste de remporter la solo Concarneau. C'est ma 4e participation à la solitaire du Figaro cette année. Là, j'ai peut-être un petit peu plus de pression de résultat que les années précédentes, mais l'avantage, c'est que je découvre pas la course. Une pression exercée aussi par l'extraordinaire plateau cette année. Donc il y a 6 anciens vainqueurs, je crois, sur la solitaire cette année. Donc c'est énorme, c'est la première fois que ça arrive. D'habitude, il y en avait 2 ou 3. Ces gens-là vont prendre la pression parce qu'on les désigne comme favoris, logique. Et voilà, maintenant, ça nous rajoute de la difficulté à nous, la jeune garde, on va dire, qui arrive derrière. Attention pour les 8 minutes, dans 10 secondes. Hein. Ce mercredi, la journée de stage est en partie consacrée à la stratégie autour des phases de départ. Une tactique qu'il faut peaufiner pour être, dès le coup de canon, au top de la compétition. Ce qui me fait virer dans la voile, en général, c'est surtout le jeu. Je suis un grand joueur, un grand compétiteur, donc j'adore quand il y a de la bagarre, quand il y a des options, des coups d'attaque, etc. Une solitaire qui devrait donc plaire à Paul, puisque, sans nul doute, la bataille sera rude.